Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu explication de ce qui va se passer au cours des prochains jours, des prochaines semaines, prochains mois, surtout des prochaines semaines. On va pas aller trop loin pour le moment vu qu'on débute, puis là, ben, on sait pas trop où ce qu'on s'en va pour le moment. Nous en sommes extrêmement désolés. J'ai su que avec le téléphone que je filme, pour le moment, je ne peux pas faire de vidéo de plus de 30 minutes. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. J'avais une enquête paranormale à aller faire au mois d'août. Et comme le téléphone ne prend pas les vidéos plus de 30 minutes, parce que bon, c'est les données, c'est l'espace, tout ça, vidéo, qui fait en sorte que... je peux faire une vidéo de 30 minutes, mais après ça, il faut que je la publie. Puis qu'après ça, je fasse une autre vidéo de 30 minutes. Puis tout ça. Je peux pas faire vraiment une vidéo d'une heure comme que j'aimerais faire. Moi, je suis plus le style à faire des vidéos quand même le plus long possible. Le plus long possible. Vidéo en moyenne d'une heure. Malheureusement, le téléphone ne me le permet pas. Fait que d'ici à ce temps-là, on va essayer de se trouver une caméra qui filme au moins en 1080p HD pour vous donner des vidéos quand même au niveau de l'image, quelque chose en HD, quelque chose le mieux possible. Là, vous entendez sûrement mon fiancé en train de chanter en ce moment sur une application qui m'avait dit non, mais je sais plus c'est quoi, mais bref, revenons à nos moutons. Donc, pour le moment, les vidéos, ça va être pas mal des vidéos de vlog, comme je vous avais dit l'autre fois. Et pour le moment, comme je peux pas faire de longues vidéos, ben, s'il y a des présentations de voitures que je dois faire, je vais les faire. Et il va sûrement avoir souvent des parties 1, des parties 2, peut-être même une partie 3, parce que justement, je peux pas toutes les caser sur la même vidéo, malheureusement. J'avais peut-être, si je fais un montage, tout ça, ou je les relis tout ensemble, sûrement c'est possible, mais je ne sais pas comment faire. Fait que si quelqu'un, il sait comment faire et qu'il peut m'aider, nous aider là-dedans, ça serait grandement apprécié parce que nous, comme on dit, nous autres, on débute vraiment. On sait pas quel logiciel avoir pour le montage. Je sais qu'on a celui-là que YouTube nous offre, mais c'est pas fameux. Et même s'il est quand même relativement facile à utiliser, c'est quand même pas quelque chose qui est le mieux. Tu peux pas tout faire avec, c'est vraiment quelque chose de base. Nous autres, on aimerait vraiment ajouter des effets quand il le faut, de la musique, faire des montages, relier peut-être plusieurs vidéos en même temps pour faire une vidéo de, je sais pas, d'une heure ou de 30 minutes. Hein, comme disons que je fais une présentation d'une voiture et que ça coupe au bout de la caméra du téléphone coupe au bout de 30 minutes parce que justement j'ai pas assez d'espace ou quoi que ce soit, peu importe les raisons. Ben, j'aimerais ça pouvoir être capable de justement de relier ces deux vidéos-là ensemble pour faire juste une seule et même vidéo et pas toujours obligé de faire une partie 1, une partie 2, une partie 3, une partie 4 parce que je vais vous dire, c'est chiant. Alors, on va dire les vraies affaires et c'est sur ça, mais c'est dans l'aventure, on dit les vraies affaires. Donc, c'est ça. Donc, mais pour le moment, c'est ça que je vais faire des vidéos qui vont durer entre 5 et 30 minutes. Tout dépendant du sujet que je vais aborder ou quoi que ce soit. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé ça pouvoir être capable de vous offrir un bon contenu d'une heure, deux, trois heures de suite, brut, comme ça, sans montage, sans rien. Mais je pense que ça sera juste tout simplement pas possible pour le moment. Donc, il va y avoir quand même des vidéos que nous allons faire. Je prévois aussi de visiter un petit peu les parcs ici à Saint-Jérôme pour vous les montrer. Je sais que la plupart du monde connaissent Saint-Jérôme et tout ça, mais il y en a d'autres, surtout comme en France, vu que je suis une chaîne un petit peu internationale. J'aimerais ça quand même leur montrer un petit peu mon coin de pays. Donc, c'est ça. Donc, je vais leur montrer un petit peu les parcs qu'on a en France. Donc, on va faire des vidéos comme ça, parce que ça, je sais que ça va être des vidéos qui peuvent être assez courtes et quand même plus simples pour le téléphone que j'ai pour le moment. Donc, si quelqu'un connaît quelqu'un, ou peu importe, là, qui, vous avez une caméra qui filme en HD, que je vais être capable de publier HD, qui est pas trop cher, dites-nous un prix, puis on va essayer de négocier avec vous s'il y a une négociation à faire, tout dépendant des prix. Nous n'avons pas un grand budget,
Mais si on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait me faire quelque chose de bon, une caméra usagée, ça ne nous dérange pas, autant qu'elle soit en très bon état, qu'elle soit presque neuve, et qu'elle soit capable de bien filmer, puis de publier, et qu'on soit capable de publier des vidéos sur YouTube en HD, ça serait merveilleux. Donc, ça serait une caméra toute équipée, vous avez des cartes avec, des clés USB ou quoi que ce soit, mais faites un prix de tout inclus, de full equip, ça va nous faire plaisir. Et soyez à Saint-Jérôme ou dans les alentours, parce que nous autres, on n'a pas de voiture, comme on dit, puis on ne peut pas vraiment se déplacer dans notre autobus, les autobus locaux ne sont pas super au niveau du prix, ça va. Mais s'il faut prendre un autobus pour aller à l'extérieur de Saint-Jérôme, ça coûte quand même une petite fortune. Donc, sur ça, les vidéos, ça va continuer. On va en faire, pas à tous les jours, parce que c'est justement pas possible vu le nombre de minutes que le téléphone, je puisse faire des vidéos avec, malheureusement. Donc, c'est ça. Donc, les vidéos à venir, si je vais faire un pack, parce qu'il y a une ancienne église qui était située, qui maintenant est détruite, tout ça, mais ils ont créé un genre de monument, un œuvre pour situer où ce qu'elle était, cette église-là. Et il y avait un ancien cimetière dans cette église-là, dans ce parc-là aussi. Et ben, il y a peut-être sujet à faire une petite enquête paranormale. Faut peut-être juste tenter, mais le problème, c'est que c'est un parc. Et après, malheureusement, 23 heures, on peut plus y être. Donc, j'essayais de voir avec les autorités, la municipalité, ça serait possible de pouvoir y aller. D'ici à ce temps-là, je vais peut-être trouver quelqu'un que lui aurait peut-être une caméra ou un téléphone qui filme plus longtemps que moi, capable de prendre au moins des vidéos de 2-3 heures. Et là, mais peut-être que là, on pourrait faire des enquêtes. Parce que moi, des enquêtes paranormales, c'est sûr que ça ne durera pas juste 30 minutes. Ça va être 2, 3, 4, 5, 6 heures. C'est sûr qu'en vidéo, je ne mettrai pas 6 heures de vidéo, mais je vais mettre un gros maximum, un 3 heures de vidéo. Donc, voilà, c'est le chat qui s'amuse avec les rideaux. Il pète pète les fioses, comme on dit. Les fils se touchent. Il me paraît. Donc, c'est ça. C'est juste une petite vidéo pour vous dire que. Regarde, les vidéos, pour le moment, c'était des vidéos entre 5 et 30 minutes. Ça va être des courtes vidéos, mais on va quand même avoir du contenu pour la chaîne. Donc, inquiétez-vous pas. On va tout faire en sorte pour que ça soit divertissant et que vous aimiez nos contenus le plus possible. C'est sûr qu'on commence, on n'est pas professionnel du tout. Les contenus que les deux vidéos passées que j'ai fait sur YouTube, c'est sûr que c'est pas fameux. Je vous l'accorde, mais on commence dans le domaine, tout ça. Et ça va s'en aller qu'avec les mois, les années, on va devenir de plus en plus meilleur. Les vidéos vont être de meilleure qualité, on va des meilleurs appareils. On va vraiment donner de quoi le plus professionnel possible, malgré qu'on reste sur YouTube, parce que sur YouTube, on s'entend que c'est tout sauf professionnel. Donc, c'est mon avis. Donc, c'est ça. Donc, sur ça, mais n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour nous encourager. Et nous autres, on saurait vous rendre l'appareil lors de nos prochaines vidéos. Donc, bien sûr, on va voir bien sûr les prochaines vidéos qui vont sortir sur YouTube. Je ne sais pas quand. Je vais voir si je vais avoir le temps bientôt pour aller faire justement les vidéos que je vous parle. Parce que, bon, ça prend quand même du beau temps, tout ça. Puis si, normalement, cette année au Québec, en termes de température au niveau météo, on n'est pas chanceux. Il y a beaucoup d'orages, des tornades, et on n'a pas beaucoup de beau temps, malheureusement. Cette année, l'été n'est pas trop belle. Malgré, même si on a une canicule, ça reste que c'est pas très beau. Donc, c'est ça. Donc, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, je vous dis. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous souhaite un très bon week-end. Donc, à une prochaine pour une prochaine vidéo sur le parc de l'ancienne église qui a été détruite. Il y avait un cimetière qui était là-bas. Il y aurait peut-être matière à avoir une enquête paranormale. Malheureusement, je vais vous le montrer.
il y a du monde, il y a des lampadaires, l'électricité est partout et c'est pas propice à une enquête, malheureusement, même si c'est un lieu qui pourrait s'apprêter à ça. Pour le cimetière que je vous ai parlé un peu plus tôt cette semaine, malheureusement, c'est une enquête qui va durer au moins 3 heures et j'ai pas l'appareil pour filmer aussi longtemps, donc malheureusement, ça aura pas lieu. Mais je vais peut-être aller vous rendre, faire une visite aux cimetières. Je penserai pas vraiment parce que bon, je veux pas filmer les pierres tombales par respect pour les défunts, tout ça, puis les familles qui sont là-bas. Si je fais une enquête paranormale là-bas un jour, je filmerai pas les tombeaux, les pierres tombales, puis tout ça. C'est normal, c'est par respect pour les défunts puis la famille. Donc c'est tout à fait logique. Donc je me répète une dernière fois, pouce bleu, la cloche de notification et laissez un commentaire. Peut-être si vous avez des suggestions, quelque chose, si vous voulez je sais qu'on a de l'amélioration à faire, on n'est pas parfait, nous en sommes désolés, mais on débute, il faut nous donner une chance, encouragez-nous, au lieu de nous dire de la bullshit et des mauvais commentaires, on n'en veut pas, encouragez-nous pour nous motiver, pour nous aider à notre départ dans notre chaîne YouTube, surtout en termes de vidéos, donc plus ça va aller, mieux ça va aller. Donc, je vous souhaite un très bon week-end encore une fois. Je vous dis à la prochaine, une prochaine vidéo. Ciao, ciao!